Salam alaikum, Azulfilaoun. Bonsoir. Et c'est reparti pour un autre tour. Comme à chaque fois qu'il faut faire semblant de donner une quelconque importance aux déclassés en tout genre. Et en avant la musique, encore une journée nationale. Il faut quand même en faire état, montrer qu'on ne les oublie pas, tous ces opprimés rangés dans les journées spécifiques. Parler comme ce député spécifique. On ne les oublie pas puisqu'on leur a consacré une journée entière, une journée nationale, pour en parler une fois l'an. Et c'est ainsi comme à chaque fois. Quand il faut y aller, faut y aller. Conformisme, gesticulation et discours creux entre claques et vilaines tartes à la crème. Et on retombe avec une régularité de notes figé sur un agenda, dans ses attitudes automatiques, dans ses commémorations juste formelles, pour sacrifier au rite du politiquement correct à l'éphéméride des journées nationales, mondiales, internationales. Il y a quelques jours, nous avions célébré la Journée internationale de la femme, parce que cette journée était inscrite dans le calendrier de l'ONU. Et donc, une journée par an, on parle de la femme. On donne quelques chiffres, on organise quelques meetings avec limonade des petits fours, parfois une petite fête pour danser devant les barons du régime. Et hop, c'est posé, pesé, emballé, livré, consommé. Les 364 autres jours de l'année, la femme, on l'oublie. Ou alors mieux encore, on la stigmatise, on la charge de tous les maux, on la cloue au pilori. De l'infamie, on la charge de tous les péchés et on la lâche dans le désert des déshérences. Pareil pour les autres journées de commémoration. Vous remarquerez qu'on ne fête généralement que les plus faibles, les plus déshérités, les plus opprimés, ceux qui n'ont pas la force de s'imposer, de prendre leur part, ni même le dixième de leur part, dans cette jungle où seuls les prédateurs ont table dressée. Alors, tout cela qu'on néglige et qu'on oublie, on leur attribue une journée. C'est la leur, zama zama. Les autres, les forts, ceux qui sont du côté du manche, ils n'ont pas de journée. Ils n'en ont pas besoin. On ne fête pas la journée de l'homme, par exemple. Ni celle des milliardaires, ni celle des putschistes, ni celle des tortionnaires. Non, juste celle des laissés pour compte. Un petit événement de consolation. Ou alors, des journées pour ceux qu'on a transformé en fonds de commerce. Sinon, l'un dans l'autre, les journées qu'on fête sont un indice qui pèse son pesant de non-dit. Quand c'est une journée nationale, alors il faut examiner à la loupe. 10 fois sur 10, il y a anguille sous roche. 10 fois sur 10, c'est l'occasion de se poser des questions, de vraies questions. Hier, par exemple, 14 mars, c'était la journée nationale des handicapés. L'ISMA. La journée nationale des handicapés, la frange la plus fragilisée, la plus pauvre, la plus négligée, la plus oubliée, voire même la plus humiliée de la société algérienne. Des millions de gens dont on ne sait rien, dont on ne sait même pas combien ils sont, puisque le régime fait tout pour nous cacher leur nombre, de la même manière qui nous cache le nombre de ceux qui profitent honteusement de certains privilèges indus. Des millions de personnes, donc, en situation de handicap, qui vivent le plus souvent dans des conditions infra-humaines, qui ne travaillent pas, qu'on ne loge pas, qu'on n'assiste pas, qu'on ne soigne pas, qui ne disposent pas de revenus ni d'indemnités dignes de ce nom, qui auraient pu leur permettre, ne serait-ce que de subsister et de nourrir leur famille. Des personnes en situation de handicap qu'on aurait pu soulager des innombrables problèmes où ils se noient littéralement. Et ainsi, dans un pays qui vient de dilapider des centaines de milliards de dollars en gadgets chinois, qui a laissé caisse ouverte à des prédateurs en tout genre, qui ont pillé des sommes inimaginables. Les personnes en situation de handicap, elles, n'ont bénéficié de rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Ils continuent d'être ces damnés de la terre,
ces oubliés de Lazarda, ces pauvres parmi les pauvres, ces déshérités parmi les déshérités. Les rares qui ont la chance d'avoir une vie à peu près normale, relativement normale, ne le doivent ni à la société, ni à l'État, mais à leurs propres efforts, souvent titanesques, ou à ceux de leurs proches qui se saignent pour eux, pour de bien piètres avantages qui semblent pourtant exorbitants. En Algérie, les personnes en situation de handicap n'ont droit à rien, ni aménagement urbain, ni centre spécialisé, ni solidarité, ni aide sociale, ni même une indemnité à peu près honorable. Pour tout dire et pour laisser ces compatriotes que nous avons invités aujourd'hui vous raconter eux-mêmes leur propre enfer, celui qu'ils vivent au quotidien, je ne dirai que le chiffre honteux de cette indemnité mensuelle que leur verse l'État. 4000 dinars, environ 20 euros par mois. Je n'en dirai pas plus. Aujourd'hui, TSA, la vie d'un handicapé en Algérie. Dans notre pays, le handicap est devenu un péché. Par Imen Misraoui. Liberté. Journée nationale des personnes en situation de handicap. Quelle école pour les enfants handicapés? Par DS. Le courrier d'Algérie. Journée nationale des handicapés. L'appel de détresse des non-voyants. Par l'IS Azizi. Essia, elle n'a pas voulu en dire plus, elle a voulu rester anonyme. Citoyenne et membre de l'Association humanitaire du monde. Sa situation de personne, on va parler de sa situation de personne en situation de handicap et d'autres questions que nous lui poserons. Jamel Adnan, président humanitaire du monde. Fateh Boussetta, fonctionnaire. Et Kenza Hahad, championne d'Algérie d'handisport. Nous allons commencer par Essia. Essia, merci d'avoir accepté notre invitation. Essia, vous nous entendez? Est-ce que Essia est avec nous? Je reviens à Essia dans un petit moment. Nous allons recevoir Jamel Adnan le temps qu'on règle, semble-t-il, un petit problème technique. Jamel Adnan, vous êtes avec nous? Bonsoir Jamel. Bonsoir Jamel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, merci à ton équipe, merci à toute l'administration d'Elmar Arabia de nous ouvrir encore une fois et à chaque fois les portes à nous, les personnes en situation d'handicap que l'on n'écoute pas, malheureusement. Alhamdoulilah, rakoumentou mahna. Merci, barakallahu fik. Blemziyetna, le personnel et la direction d'Elmar Arabia sont toujours très très heureux de pouvoir vous consacrer au moins une émission de temps en temps, mais on aimerait faire plus. On en parlera, Jamel, ensemble, vous et moi, pour voir ce qu'on peut faire plus que ce qu'on a, que le modeste prestation que nous vous offrons. Alors, cette journée d'hier, le 14 mars, journée nationale des handicapés, qu'est-ce qu'elle vous inspire pour vous, qu'est-ce que c'est? Pour moi et tout l'ensemble de l'association que je préside, je tiens à préciser que c'est l'association Solidarité pour la promotion et l'épanouissement de la vie des personnes handicapées. Humanitaire du monde, Jamel, c'est juste mon pseudo sur le Facebook. Je suis connu comme ça. Mais sinon, c'est l'association Solidarité. Vous allez écouter les amis, hein, parce que ce sont tous des membres à moi qui sont présents aujourd'hui. Pour nous, cette journée, c'est une journée comme toutes les journées, c'est tout. Bien au contraire, c'est une insulte. Pour nous, c'est une insulte. C'est le jour où tu as la honte, tu as le hachma. Normalement, mais tu connais une journée qui m'a hadi en Algérie, ou alors, c'est une journée terrible. Une journée où une.
وين نورمالمون ليتا افا لو سيستيم هذا يحبط راسه على واش راه داير على لي كريم، باسكو سي دي كريم كونتر لومانيتي، سي دي كريم كونتر دي بيرسون faibles, des personnes qui n'ont pas la force. Bon, Belkana, je m'exprime, Belkana, je bouge, ok, je suis handicapé à 50%, mais Kenny Ness, il y a l'antidiarome et tout ça. Hadouk Ness, la belle qui te goule, le belah, chante, là. في الراديو اللي عندي عشان تنقول لهم صحة عيدكم، باسكو كي نقول لهم صحة عيدكم ما يحبوش. سي با اون جورني دو فيت، سي با اون جورني دو وين اون بو سان ارغيير، يعني هذا هو. واش تحب نقول لك؟ هاد لا جورني هادي كي هي كي لو 3 ديسمبر، كيما قلت تاني كو لو 8 مارس اي تو سا، هادو ديفري با اتر، خاطرش نو سام با ان بوزيسيون. جمال، وي. Est-ce que vous avez une idée sur le chiffre des personnes en situation de handicap en Algérie? Ben pour vous dire, je déjà dans la localité où je suis, la première fois que je suis arrivé, je suis parti comme ça pour voir au niveau de la commune, hein, de la mairie. Je leur ai demandé des chiffres et tout. Ils m'ont donné 2 personnes. Donc ça m'a étonné. Et bon, j'ai décidé d'aller comme ça, un peu partout et tout, à la recherche. Et ben, avec le travail qu'on a fait, on est arrivé à 267 personnes. A dit, c'est juste une commune. Alors que. Attendez, était attendez, Jamel, attendez. Oui, alors, la commune vous a donné le chiffre de 10 personnes, 10. Deux personnes. Et quand vous avez enquêté sur le nombre véritable, vous avez trouvé 250. C'est incroyable. 267. C'est incroyable. Mais sinon, au niveau national, Jamel, est-ce que quelqu'un a un chiffre à nous donner? Est-ce que quelqu'un sait à peu près? Je sais, il y en a qui parlent de 4 à 5 millions, il y en a qui disent que c'est plus, il y en a qui disent que c'est moins. Mais on aimerait avoir une idée. Pourquoi d'abord ce chiffre est caché aux Algériens? Et ensuite, pourquoi personne ne le connaît? Le chiffre, Jamal, bon, le chiffre, premièrement, il est inexact. Il n'y a jamais eu de vrai chiffre ici en Algérie. Qu'il y ait des blocs 4, qu'il y ait des blocs 6 millions, qu'on ne sait pas qui fait ça, mais je dans un chiffre exact, mais cache. Qu'il y ait des personnes en situation d'handicap, elles ne sont pas marocaines du tout. Mais je suis marocain. يعني على بالك لي سيرفيس سوسيو هنا في الجزائر او نيفو دي ابي سي تو سا ما يخدموش خدمتهم نورمالمون سيرفيس سوسيال هو يس دي بلاس تو سا هو يروح على ريشيرش يا حبابك هادو ما زعما سي دي جون كي سوكيب دانديكابي او ان هانديكابي سي اون بيرسون كي بو با بوجي او يو غادو في كراسه هكا يستناو فيه وقتاش يجي مي هاد العبد هذا ما يقدرش يجي مي لي هانديكابي لي هانديكابي يا با كو لي جون كي بوج با اي لي مال انتوندون لي مال فويون وي نو نو جو بارل دو وي 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 توت فورم دو هانديكاب توت فورم دو هانديكاب لي جون كي اون سوبي دي اكسيدون دو لا روت كي ايتي دي بيرسون normal, j'allais dire, qui se retrouve en situation de handicap, parce que ça peut arriver à tout le monde de devenir handicapé. Bien sûr, nul n'est à l'abri. Hein. Ah oui. Non, en tous les cas, le chiffre n'est pas exact. C'est pas qui cache le chiffre. Machi, il cache le chiffre, Romain. Parce que Madabian est là. Mais seulement, ils ne sont pas capables, ce sont des incapables. Ils préfèrent passer le temps à ramasser de l'argent et à remplir leur poche que de servir une communauté, un groupe de personnes et tout ça. Mais j'aimerais que nous puissions parler de ce chiffre, de cette indemnité honteuse. Il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier, honteuse, de 4 000 dinars par mois, par personne, y compris aux handicapés qui ont des familles à nourrir. 4 000 dinars. J'aimerais que vous nous disiez, que vous nous donniez plus de détails. Comment ça se passe? Ben voilà, alors les 4 000 dinars à dos. Je rappelle que 4 000 dinars, c'est l'équivalent de 20 euros. Je vous en prie. Voilà.
Oui. Alors les 4 000 dinars, c'est une somme dérisoire, comme vous l'avez dit, plutôt dit. Elle ne sert à rien. Jamel, je reviens à vous dans un instant. Il semble qu'il y ait un problème technique. Je reviens à vous dans un petit moment et je reviens à Asia. Est-ce que Asia est avec nous? Asia? Rien. Est-ce que Asia est avec nous? Asia, vous m'entendez? Asia? Allô? Marhaba bik, Asia. Allô, vous m'entendez? On vous entend, Asia. Merci d'être avec nous, Asia. Mais je vous en prie, salam alaikum. Alaykoum salam. Alors, Asia, vous n'avez pas voulu donner votre véritable identité. Nous ne vous demanderons pas pourquoi, bien sûr. Sinon, Je vous entends vraiment mal, hein. vous m'entendez mal. Et là, même comme ça, quand je crie un peu. Bon, Bon, sinon, je j'entends très reviens mal. à vous, Asia. On va essayer de régler le problème. Je voudrais que vous m'entendiez bien pour que nous puissions discuter. Et donc, je vais passer à Fatih Boussetta. Fatih Boussetta, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous, oui, je vous entends très bien, Merci, Fatih Boussetta. Vous êtes donc vous-même fonctionnaire oui. Tugurt. Oui, c'est ça, je suis un fonctionnaire, c'est ça, oui. Je Un crois que vous êtes secours. déjà, vous êtes, Fatih, vous êtes déjà passé. Je suis déjà passé, oui, à la télé. Exactement, je me rappelle très bien. Alors, Fatih, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Fatih? Fatih? On l'a perdu. Eh ben, c'est la journée où on est en train de perdre un peu tout le monde. Et alors, peut-être Asia, le problème s'est réglé. Alors, nous allons passer à Kenza Hahad, championne d'Algérie d'handisport. Kenza Hahad, est-ce que vous êtes avec nous? Allô, Kenza? Kenza, vous m'entendez? Allô? Kenza, vous m'entendez? Oui, je vous Ah, bah, c'est très bien, moi entends. aussi. Merci d'avoir accepté de faire partie de nos invités. Kenza? Allô? C'est à moi de vous remercier Merci. de m'avoir accueilli sur votre plateau et de m'avoir donné l'occasion Oui. Kenza, vous êtes une Oui. sportive de haut niveau, nous a-t-on dit. Vous êtes une sportive. Pardon? Vous pratiquez du sport de compétition. Exactement, oui. Qu'est-ce que c'est comme sport au Je juste? fais du powerlifting Oui. depuis 2013. J'ai été championne 3 années consécutives, 2013, 2014, 2015. Cette année, je m'arrête ici, pourquoi pas. Voilà. Ah bah, très C'est bien. ma carrière sportive. Alors, Kenza, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de votre vie personnelle? Comment vivez-vous votre handicap? Comment parvenez-vous à faire du sport? Est-ce que vous travaillez? Je dirais que c'est pas la vie en rose. Bon, vous allez me dire pour tout le monde. Mais ma vie de tous les jours, je ne sais pas, elle est pénible. Et je dirais pas que c'est à cause de mon handicap. Non, c'est à cause de l'injustice que je reçois à travers cet handicap. Il y a un vrai problème, on vous entend pas bien. Je vais demander aux techniciens de vous rappeler peut-être sur un téléphone fixe. Restez avec nous, ils vont vous parler, voir comment on peut arranger ça pour qu'on puisse vous entendre parce que c'est très très important. Et je reviens à Asia. Asia donc qui nous a donné son prénom, qui souhaite n'apparaître que sous son prénom. Asia, merci Oui. d'être avec nous donc. Est-ce que vous m'entendez, Asia? Oui, Ah, je vous entends. ah ben là, on vous entend très bien.
Salam alaikum. Assalam wa rahmatullah. Alam bekasia. Alors, parlez-nous un peu de votre vie. Pardon? Parlez-nous un peu de votre vie, comment vous vivez votre handicap. Quel genre de handicap vous avez? Bon, moi, je suis une handicapée. J'ai eu la polio en étant petite. Oui. Avant, je marchais un peu. Et au fur et à mesure, j'ai perdu la mobilité de la jambe malade et je suis sur un fauteuil roulant. D'accord. Mais est-ce que vous travaillez? Est-ce que... Non, j'ai jamais travaillé. Je suis une femme au foyer. Vous êtes mariée? Non, pas du tout. D'accord. Je peux vous demander votre âge? Bon, disons que je dépasse la cinquantaine. Très bien. Vous avez deux fois 25 ans. Non, je la dépasse, mais disons que je dépasse la cinquantaine. vous êtes encore jeune, Asia. Merci, c'est très gentil. Merci, vous avez une très belle voix. Merci. Dites-nous, Asia, parlez-nous un peu de vos problèmes. Comment vous vivez votre handicap? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que vous trouvez de l'aide au sein de la société, de votre famille, de l'administration? Pas du tout. Non, parlons pas de la société. Déjà au sein de la famille, je peux un peu faire un mélange d'arabe-français, ça fait rien. Oui, bien sûr. Parlez comme vous le sentez. Oui. Déjà au sein de la famille, on le trouve pas. Comment on espère déjà le trouver dans la société? Votre famille, peut-être qu'elle n'a pas les moyens de vous venir non, en aide. Non, c'est pas la question de moyens. Non, c'est pas la question de moyens. Non, non, c'est pas la question de moyens. C'est tu sens le rejet. Tu sens que tu es un peu mal aimé. Tu n'es pas désiré, quoi. Oui, oui. Et sinon, comment vous vivez? Quels sont vos moyens de subsistance? Comment vous... Maintenant, on peut dire que je vis seul après la mort de ma mère. Ça fait 4 ans de cela. Je vis seul, mais comment dire, grâce à Dieu, j'ai deux sœurs qui m'aident un peu. Sinon, la pauvre pension de 4000 dinars d'handicapé, ce n'est pas mes deux sœurs qui me donnent le coup de pouce de temps en temps. C'est sûr que je pourrais mendier un jour. Asia, vous vivez dans une maison toute seule ou vous vivez en famille? Non, je vis dans une maison toute seule. Toute seule, vous êtes toute seule, il n'y a personne avec vous? Oui, mais quand même, comme je viens de parler, mais de temps en temps, il y a mes neveux, mes nièces. C'est-à-dire, je pars toujours du côté de mes sœurs, hein, pas de mes frères. Hein. Oui. Je précise bien. C'est-à-dire, il y a les enfants de ma sœur qui viennent me rendre visite, passer une nuit avec moi, de temps en temps. Sinon, quand vous êtes seul toute la journée, qu'est-ce que vous faites? Vous restez à la maison, vous ne sortez pas? Non, je ne sors pas déjà la ville taille. La ville taille, ce n'est pas accessible du tout. Ce n'est pas commode pour passer, pour circuler avec un fauteuil roulant. Déjà dans la ville où vous vivez, donc si vous sortez avec votre fauteuil, vous ne pouvez pas vous déplacer. Ce n'est pas aménagé. On n'a pas pensé aux handicapés moteurs. Et puis ça me coûte. Je peux dire ça me coûte les yeux de la tête parce que je dois descendre. Quand je descends, c'est une pente, mais quand je remonte, je dois louer un taxi. Le taxi, c'est toujours cher et c'est pas avec 4000 dinars qu'on peut louer un taxi. Et que pensez-vous de non seulement de votre famille, de cette société, qui ignore totalement les gens comme vous? Pourtant, les mosquées sont pleines. Le hadraf, il le fum, benas, narkam, din, ou kada, ou menna, les histoires. Alors que des gens comme vous, qui font partie intégrante de la société, on a un enfant koufar, qui me dit le koufar. Moi-même, j'ai un enfant handicapé. C'est un handicapé mental. Il a 26 ans. Permettez-moi de vous en parler. J'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion. Je vis dans un quartier populaire. Je vis à Vénissieux, pour vous dire, hein, à Lyon. Dans un centre, on s'occupe de lui, dans un centre où les pensionnaires, ils sont à peu près une quinzaine, une vingtaine de gens qui s'occupent d'eux. Ça veut dire que les encadreurs sont plus nombreux que les pensionnaires. Et il lui donne presque 8 800 euros par mois, sans compter les aides de toutes sortes.
ويتعلقوا بهم كيلمموا تاع العين كوم لا بيبي دو لوغ زيو. الوغ كون الجيري المسلمين اللي نهار كامل هما ينون كو ديو اي لو بروفيت دون لا بوش صلى الله عليه وسلم. مي 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 فو فويي فوتر سيتياسيون celle des gens qui sont comme vous, des millions de gens qui sont livrés à eux-mêmes, dont personne ne s'occupe. Qu'est-ce que ça vous inspire, Figilb, qui va être ici? Non, mais puisque vous en parlez des études de ACTA dans l'école et tout, justement, moi j'ai été à l'école et sans me vanter, j'étais vraiment une très bonne élève. J'étais vraiment mais vu le manque de moyens, il n'y avait pas de transport ruraux, il n'y avait rien, l'école était un peu loin. J'ai dû quitter et ne pas finir mes études. Disons que je n'ai pas fait vraiment d'études. Hein. C'est dû à mon handicap, donc il n'y avait pas le moyen. Comme dit le gouvernement, d'où la Madame Snowell, aussi il y avait des écoles privées, je dirais pas privées, bon, je m'explique bien, le Quinquennat ou des écoles qui peuvent avoir des handicapés, pas d'automatiques comme pension, ou les bêtes, ou l'internet, ils peuvent bien suivre leurs études, blâme et qu'on a les problèmes. Restez avec nous, Asia, restez avec nous. Je reviens à Jamal Adnan en attendant que nous puissions régler le problème avec Kenza Ahad. Jamal Adnan, حكينا شوي على خاوتنا وخواتاتنا اللي راهم في هذه الحاله هذه livré à eux-mêmes dont personne ne s'occupe et ce ne sont pas 10 personnes, ce n'est pas 100 000 personnes, ce n'est pas 1 million de personnes, ce sont des millions dans toute l'Algérie, aux quatre coins de l'Algérie, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'handicapés de tout genre, moteur, malvoyant, malentendant qui dans la plupart sont contraints de vivre avec ces fameux 4 000 dinars, qui manquent de soins, qui manquent d'aide, qui sortent dehors et quand tu dis qu'ils sortent dehors, le fauteuil roulant ne peut pas circuler, parce que les pouvoirs publics n'aménagent pas l'espace urbain pour les personnes qui sont en situation de handicap. Hakina Chouya Jamal. Le problème déjà, il commence dès l'enfance. Dès l'enfance, c'est la famille qui trouve des embûches, des problèmes. Je te regarde des spécialistes, je te dis l'enfant Taham, l'enfant Rabat, que ce soit une fille ou un garçon, l'enfant Taham, mais un spécialiste pour suivre des soins. Pour des opérations, ou bien de la kinésithérapie, ou bien des interventions chirurgicales. Déjà, notre problème, ça commence dès l'enfance. Quand les familles ados, ils ont des problèmes, des fauteuils roulants, parce que les fauteuils roulants se diffèrent. Chaque fauteuil ou la personne interne, qui a des fauteuils pour IMC, qui a plusieurs sortes de fauteuils roulants. Bon, c'est vrai que je suis en train de parler que d'handicapés moteurs, mais même les handicapés visuels, techniques, c'est la même chose. Les parents aussi souffrent, les non-voyants, hein. Les parents souffrent aussi pour trouver des spécialistes et tout, pour des soins. C'est ainsi que pour les sourds-muets et tout. Bon, on aide qui brochouilla, qui est là notre problème, c'est les établissements scolaires qui m'a gagné Asia. L'établissement scolaire, quelquefois, bon, si Asia a eu la chance d'y aller, mais Kenin Win, quelquefois, on ne les accepte pas du tout. Ils refusent directement à quand la personne en situation de handicap me cache des établissements scolaires spécialisés où on peut recevoir des personnes en situation de handicap et surtout par exemple des centres spécialisés pour des IMC pour techniques. Qu'est-ce que c'est les IMC? C'est insuffisance moteur cérébral. Voilà, c'est un homme a un problème, c'est pas tout à fait motrice, voilà. Il y a des handicapés à 100% et tout, qui ont du mal à exécuter des gestes, quelquefois même ils ont du mal à s'exprimer et tout ça.
Alors, ce ne sont pas des malades mentaux, hein. Je connais ma famille, ce ne sont pas des malades mentaux, parce que les malades mentaux tanniques, puisque j'en ai pas parlé, on a tannique hein, dans les problèmes, ADNA, les trisomiques, ADNA, les malades mentaux de toute catégorie tanniques, non seulement la marsocine, mais tannique, le mouchtama, il traque à l'iram des fois, il rejoue, par exemple, un enfant, il rejoue tout ça, pour dire les enfants qui. Il travaille dans l'allier, il marque l'allier et tout ça. Déjà, la personne en situation de handicap, qui ne compte pas l'enfant, déjà, il y a comme le traumatisme. Déjà, il est traumatisé. Hein. La société, déjà, le traumatisme. Jamel, même sur Facebook, j'ai vu des scènes de gens, des jeunes du quartier qui ramènent un trisomique, par exemple. Où ils ils sont en train de s'amuser avec lui. Et ils le font passer pour un clown. Et le comble, c'est que ces vidéos qui passent sur Facebook, tout le monde tombe de rire. Ça fait rigoler tout le monde. Justement, Jamel, puisque tu en parles, au sujet de l'adresse de ta page de Facebook, Il y a de quoi, je comprends, Jamel, je comprends. Rachouf, Jamel. Oui. Ils utilisent l'image de la personne handicapée. Ils l'utilisent. Bichir pou des gemmes. Bichir pou des fonds. C'est-à-dire que Mme Walou, il dit que il a vraiment regardé qu'il y a de l'aide, cliquez j'aime. Normalement, il rate l'audio. C'est la moindre des choses. Rate l'audio. Quelle est la dignité de la personne? Est-ce que aide la personne à partout? Est-ce que les parents les belles? C'est incroyable notre regard, le regard de notre société sur la personne en difficulté d'une manière générale. Il y a quoi le fakir? Il y a quoi le zaïf? Il y a quoi le mzagialé? Il y a quoi l'handicapé? Allez, je reviens à vous dans un instant, Jamel. On va essayer de revenir vers Fateh Boussita. Fateh Boussita, est-ce que vous m'entendez? Fateh. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Tu m'as vu, Fateh Boussita? Ah oui, salam alaikum. Alaikum salam. Tfadl, Fateh, tu peux te parler de ce que tu trouves que tu dois te parler. Je vous en prie. Voilà, le problème, c'est que Abou Jamel. Oui, c'est vrai, on trouve des difficultés dans plusieurs circonstances. Donc, comme je l'ai dit ce matin, j'ai parlé, par exemple, avec notre là. Je lui ai dit que j'allais parler des gens qui ont des accompagnants dans leur maison. Hein. On a parlé d'eux, par exemple, je voudrais que les gens qui habitent chez eux, par exemple, des handicapés, par exemple, quand il rapporte un garde malade, que ce soit l'État qui paye. C'est pas l'handicapé qui paye. Avec 400 000, on ne peut rien faire avec 400 000. Et en plus de ça, j'ai envoyé une lettre à la ministère, mais aussi pour ce cas-là, parce que j'ai demandé qu'on paye pour les handicapés à 100%. Tugurt. Qui est en plein sud, en plein Sahara, c'est pas facile. Déjà pour les gens normaux en été, c'est très très difficile. Et pour les gens qui sont en situation, quand je dis les gens normaux, ne m'en voulez pas, hein, je veux dire des gens qui sont pas en situation de handicap. Et pour les gens qui sont en situation de handicap, j'imagine que c'est très dur. Fateh Boussita. Oui, que sont des gens normaux, c'est dur. Quand on est pour les gens handicapés, par exemple, quelqu'un qui a 4 handicapés chez lui, etc., il a besoin d'aide. Mais des fois, quand on a tout devant lui, tous les portes fermées, comment on va faire? Merci avec nous, Fateh Boussita. Nous allons. Revenir vers Kenza Ahad en espérant que le problème du téléphone est réglé. Kenza, vous êtes avec nous? Kenza?
Est-ce que Kenza est avec nous? Vous m'entendez, Kenza? Kenza, essayez de nous écouter avec le téléphone. Éteignez votre téléviseur ou mettez le son très très bas pour qu'il n'y ait pas de retour d'écho. Kenza, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Kenza est avec nous? Est-ce qu'elle nous entend? Oui, Kenza, on vous entend. Kenza? Il y a un vrai problème aujourd'hui. Hein. Nous revenons à Asia. Asia? Oui. Asia, est-ce que Asia est avec nous? Oui, je vous écoute. On vous entend très bien, Asia. Alors, oui. Qu'est-ce que vous espérez, Asia? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il arrive dans votre vie? Qu'est-ce que vous voudriez obtenir? Parce qu'on peut croire à un miracle. Oui. Je sais qu'il n'y aura pas de miracle. Mais j'espère bien que ça va s'arranger. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous espérez de façon concrète? Peut-être que... il y a des gens qui vous écoutent, qui ne demandent qu'à vous venir en aide. Exprimez-vous, dites-leur. Non, mais quand même si je parle généralement, parce que la moindre des choses, je voudrais bien que le gouvernement installe des polycliniques pour la rééducation, parce que ça coûte les yeux de la tête pour les gens. Moi, personnellement, si j'avais trouvé le moyen de faire la rééducation, je ne serais pas sur un fauteuil roulant aujourd'hui. Oui. Mais est-ce que vous ne souhaiteriez pas voyager, connaître l'Algérie, rencontrer des gens? On aimerait bien, mais malheureusement, déjà le fait de bouger de la maison, c'est très très, très difficile. Comment faire pour sortir et pour voyager et pour s'amuser? Même dans les lieux de loisirs, tu trouves pas le moyen pour un handicapé, surtout sur un fauteuil roulant. Surtout sur un fauteuil roulant pour bouger, pour sortir et pour s'amuser. Et même vis-à-vis des parents, moi quand je parle des parents, je parle pas de mes parents, je parle pas de mon père et de ma mère, je parle de mes frères. Il y a toujours quelqu'un qui s'oppose à ne pas sortir, à ne pas faire ceci, à ne pas faire et cela. Et pourquoi? Je ne sais pas. Des fois, je ne sais pas. C'est incroyable. Ça veut dire qu'ils veulent vous cacher à la vue des gens? Oui, je ne me rappelle pas. Je viens de dire mon âge, mais je ne me rappelle pas qu'un jour, dormir sur une plage ou dormir sur un lieu de loisirs ou dans un parc ou là pour me distraire pour quelques minutes ou pour quelques heures. Je n'ai pas ce souvenir-là dans ma tête. Et Vlayad, comment ça se passe? Est-ce qu'ils vous invitent chez eux au milieu de leurs enfants? Non, pas du tout. Pas du tout. Si je vous raconte une chose, vous n'allez pas le croire. Racontez-nous. C'est une histoire, mais c'est véridique, mais vous n'allez pas le croire. On vous croit, Asia. Non, c'est-à-dire vis-à-vis de mes frères. Une fois, j'ai plusieurs frères. Si je dis 1, 2, 3, c'est peu, hein. Alors là, j'ai plusieurs frères. Je ne vais pas dire le nombre, mais j'ai plusieurs frères. Oui. Continue. Mais une fois, c'était le mois de Ramadan, je vivais avec ma mère, Marbel Matmout, la Yahma. Alors, ils ont proposé qu'on passe 10 jours chez chacun d'eux pour ne pas rester seuls les deux seuls à la maison. Alors, après 10 jours, on a été chez un frère, mais après 10 jours, demain, c'est fini. Vos 10 jours, ils sont finis. Vous m'avez compris, là? Oui, je vous ai compris. Oui. Ça veut dire pour lui, c'était simple, c'était normal. Mais c'était pour un moi, quota, c'est un devoir à faire, le travail non, est fini. Pour lui, c'était simple de dire, mais pour moi, c'est, sincèrement, j'aurais aimé qu'on me poignarde que de me dire ça. Je comprends, Asia, je comprends. Oui. Asia, en tout cas, rester avec nous jusqu'à la fin. Vous voulez dire autre chose, Asia? Pardon? Vous voulez dire autre chose? Par exemple? Je ne sais pas, je vous laisse le soin de nous dire ce que vous souhaitez extérioriser, exprimer. Je vous en prie. J'aimerais bien que les gens reviennent à la rahma al-qalbaha, parce que la rahma rahata. Ma kesh la rahma la shafaqa fi qalbhum. Et ça commence par nos familles, nos frères, les membres de notre famille. Parce que je précise toujours quand je parle, je dis mes frères, parce que j'ai mes sœurs qui sont vraiment, vraiment bien.
Alhamdoulilah, heureusement, heureusement que vous avez vos soeurs, Rabbi Khalli Hamlek. Restez avec mais nous jusqu'à la fin de l'émission. Vous venez de dire, mais oui. Si moi aujourd'hui je dirige deux soeurs, mais il y a bien d'autres qui n'ont pas de soeurs. Exact, exact. Rabbi Maak, Asya. Je reviens à Kenza, peut-être qu'on va pouvoir l'entendre maintenant. Kenza, est-ce que vous nous entendez, Kenza? Il semble... Allô, Kenza, oui. Kenza Haddad. Oui. On vous entend maintenant, donc vous pouvez vous exprimer. On est vraiment désolé. On aurait voulu vous laisser vous exprimer plus longtemps. Alors dites-nous, Kenza, comment vous passez votre journée généralement? Pardon? Comment vous passez votre journée habituellement? Ma journée? Oui, votre journée, tous les jours que de votre... Comment ça se passe, votre vie? Parlez-nous un peu de votre vie, comment, qu'est-ce que vous faites? Oui, j'ai compris, oui. C'est toujours des journées de combat. Je combats tous les jours, à toute heure, à tout moment. Vous vivez en famille, Kenza? Pardon? Vous vivez en famille? Oui, bien sûr, oui. Chez vos parents, vous êtes marié. Excusez-moi, hein, je suis un peu indiscret. Non, je... Pardon? C'est-à-dire que je suis peut-être un peu indiscret, mais on aimerait en savoir un peu plus sur votre vie, sur ce que vous faites, sur vos rêves, sur... Oui, je suis une maman. Il n'y a pas de souci, je suis une maman, bon, divorcée, je vis avec ma mère et mes trois enfants, voilà. Très bien, vous avez une petite fille, vous nous avez dit. Comment? Vous avez une petite fille? Ah, vous avez trois enfants, c'est bien ça? Exactement. Ah, ben c'est très bien, ça fait plaisir, mais... Sinon, vous avez les moyens pour vivre à peu près normalement? Donc, écoutez, justement, comme mes amis d'avant ont déjà mentionné, la vie n'est pas du tout facile. Pas du tout. Oui. Beaucoup d'injustice, beaucoup de discrimination, beaucoup de rejet, beaucoup de marginalisation, c'est devenu une chose vraiment invisible. On nous prend pour... J'ai l'impression qu'on nous prend pour une erreur. Kenza, est-ce que vous sortez, souvent? Ou est-ce que vous sortez de chez vous souvent, puisque vous êtes une sportive? Donc vous sortez de chez vous? Non, pas du tout, pas du tout. Comment voulez-vous sortir, puisqu'il n'y a pas d'accessibilité, il n'y a pas de transport adéquat, il n'y a pas d'argent pour déjà pour se déplacer? Non, pas du tout. Justement, on nous a même enlevé le simple petit droit de sortir de l'oxygène, d'aller comme tout le monde dans des parcs de loisirs, ou bien à la plage, ou bien tout ça, c'est interdit pour nous. C'est interdit. Oui. Et vous recevez des gens chez vous? Vous recevez, il y a des gens de votre famille qui viennent vous voir, vous soutenir? Bon, écoutez, question à ma famille, moi, je suis enfant unique, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, donc sincèrement, je suis obligée de me débrouiller toute seule, hein, d'assumer toute seule, c'est mon combat à moi, c'est clair. Et en un mot ou en quelques-uns, Kenza, comment trouvez-vous la société dans laquelle vous vivez? Bon, c'est une société malade. Sincèrement, j'en veux aux autorités. Attends,
avant la société. Parce que si on avait notre droit, notre statut, qu'on n'était pas... Parce que pour moi, la société, les autorités, c'est la mère, et les handicapés, c'est les enfants. Est-ce que la mère rejette ses enfants? Nous, oui, on est rejeté par notre pays. On n'est pas reconnu. On n'a pas de travail. On n'a pas de logement. Elle a personnellement, ça fait 10 ans que j'ai déposé mon dossier pour un logement social et je ne l'ai pas. Je suis en train de me trimballer de location en location, des fois d'hôtel en hôtel, et ce n'est pas évident. Dans mon état de santé, avec 3 enfants, avec une maman, c'est pas du tout évident. Mais bon, hein, que peut-on faire? Je me suis adressée au ministère, je me suis adressée au niveau de la DAP, je me suis adressée aux APC, je me suis adressée au Daïra. Il n'y a absolument rien. Donc, où est le droit de l'handicapé ici? Pas de logement, pas de travail, pas d'éducation, pas d'accessibilité, pas de transport, pas de... Mais pour qui ils nous prennent? C'est ça la question. Pour qui exactement ils nous prennent? Voilà. Et sincèrement, ça se dégrade de jour en jour et de moment en moment. On n'évolue pas. On n'évolue pas. Moi, je pense qu'on a une carte nationale. On fait partie de ce pays. On peut donner. On peut assumer. Je pense qu'on doit avoir notre part égale avec tout autre citoyen. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On est en train de souffrir d'une injustice terrible dans tous les domaines et en plus de ça, une humiliation terrible. Alors là, l'humiliation de la pension de l'handicapé, là, c'est très, très grave. 3 000 dinars à un handicapé qui est moins de 100% et 4 000 dinars pour un handicapé qui est à 100% qui ne remplit même pas un couffin pour nourrir une famille. Donc, allez voir Dinar, est-ce que ça peut subvenir à un handicapé pour acheter ses songes, pour acheter ses couches, pour se déplacer? Non. Je pense que c'est une insulte parce qu'on est en train de nous donner des miettes. C'est de la charité. Et on ne demande pas la charité. On demande que notre droit. Merci. D'être considéré comme un être humain. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Merci. Merci, Kenza Hahad. Je reviens à Jamal Adnan. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Jamal. Je voudrais vous poser une question toute simple. À quoi rêvez-vous? Quel est votre rêve, Jamal? Je rêve à une société juste. Je rêve à une justice pour les personnes handicapées en Algérie. يا سيدي يا ناس إذا ما ترحموناش إذا ما عندكمش ما تقاتلكمش الرحمة في القلوب على الأقل أعطونا فقط حق كمواطنين في الجزائر. الإنسان اللي ما يقدرش يعمل هذاك زيدوا له شوية في لاسيفونسيون تاعو. الإنسان اللي يقدر يعمل يا سيدي ما تعطوش المنحة، أعطوا له عمل، خلوه يعرض بجبينه ويروح يقوت روحه عادي. خلوا لي زانديكابي، أنا نحلم بدي لوجمون بو دي بيرسون هانديكاب. Qu'il y ait des personnes handicapées qui ont grandi comme ça, auront actuellement à l'âge de 50 ans et tout. Mais ils ont rêvé, mais ils ont travaillé. Le cas de James Woods qui fait ça, les mêmes les cheveux, les dos, qui fait ça, Khalifin, donc ils trouvent ça, ou mais ils ont rêvé. Maintenant, un handicapé, un autre Jésus, il vit, il est clair, on va le clignoter. Voilà, mais il n'y a rien du tout. Je rêve d'une société qui ne condamne pas une personne parce qu'il est handicapé. Je rêve d'une société aménagée, où les trottoirs sont accessibles, où les billets sont accessibles, les postes accessibles, le ministère de la solidarité et tous les ministères sont accessibles. Je rêve d'un pays accueillant.
Je rêve d'un pays accessible à tout le monde, sans aucune distinction, qui le valide, qui la personne handicapée. Je rêve d'un équilibre social, d'une justice sociale, si bled a dit. Nes da hat, fi jel had el bled, fi jel jib had el hurouya, et tout ça. Shuhada li tfoufaw, Allah yirhamahom. Tfoufaw, kan andhom des rêves, ou had li rêves, badou, ou al valid, khurjou l'hna, actuellement, khurjou l'aks, flouch. Adhan wa problème. Habit Tanik, Tmenit, Lukan, les personnes en situation de handicap en Algérie, Djmir, Insen, Mouak, Li Ando, Welochuya, Firaso, It Kadem, L'Hbebo, It Kono, Haka, Djmaat, Djmaat, Ouya Amlo, It Damlo, Ouya Amlo, Wahadom. Parce que l'hurriya, la liberté, les droits, mais Djibohom, le Kumsh, sur un plateau doré. Les droits, ça s'arrache. Il faut que les handicapés prennent conscience que c'est à eux. C'est à eux de se prendre en charge. C'est à eux de s'unir. Tanik Tmenit, Tanik Lukanhad El Jumayet, les Rahom un peu partout sur le territoire national. Yahabso, Menhad Siyasa, la politique. Yahabso, Menhad El Ibiyo, Ibiyo Fdelist. D'emploi de personnes handicapées, ou même que l'on ne même pas, mais à l'on ne même pas. Ils reçoivent des dossiers d'adhésion, où on va dire que ça y est, mais ils doivent chauffer avec l'insane, mais ils doivent tolérer l'air. La preuve, n'a pas qu'une preuve, Jamel. Le 14 mars, c'était hier. Le 14 mars, il y a des associations qui ont fêté le 14 mars, dès la défaite. Wesh dero, ils ont invité tout le monde. Là, on fête la journée des handicapés. Mais aide les associations, Hado, marahouch les handicapés du Mirkodrosh et Khodjoum Diarom. Les handicapés du Mirkodrosh et Khodjoum Diarom, ils prennent le hafalet, ils prennent l'okhrin, ils dachko et tout ça, ou ils farchou, ils chauffent à travers la télévision ou à travers l'internet. Merci Jamel, merci, je suis obligé de vous interrompre malheureusement. Cette émission est malheureusement terminée. J'aimerais juste rappeler que devenir une personne en situation de handicap peut arriver à n'importe qui. Le meilleur exemple en est le président de la République. Cette émission est maintenant terminée. Je remercie Jamel Adnan, je remercie Fatih Boussita, Asia, Kenza Hahat. Je suis désolé pour la mauvaise qualité des communications aujourd'hui. Et je vous remercie, vous, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, salama.